السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلميذات وتلاميذ الأولى علوم رياضية، مرحبا بكم. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحح واحد ليكزيرسيس سيغ لي زابليكاسيون، إكزيرسيس 19 باج 141 المفيد. ألوغ جو كونسيدير on considère dans cet exercice de l'application la première question, montrer qu'elle est injective, et la deuxième question, montrer qu'elle est bijective et déterminer f moins 1. Alors la première question, donc partant de deux éléments, soit A et B, deux éléments de l'intervalle 1 plus l'infini, tel que f de A égale à f de P. Alors montrons que A égale à B. Voilà, donc partant de l'égalité f de A est égal à f de P. Alors j'ai A plus racine de A carré moins A est égal à B plus racine carré de B carré moins B. Alors je vais transférer ce membre de droite à gauche. Bien sûr, dans l'espoir d'avoir factorisé cette expression par A moins B et obtenir la conclusion. Alors, comment obtenir cette factorisation? J'ai déjà A moins P, alors de là. Alors, l'idée, c'est multiplier par le conjugué. Alors, le conjugué de celui-là, c'est racine carrée de A carré moins A plus racine carrée de B carré moins P. Mais j'ai un problème, c'est lorsque ces deux soient nuls. Parce que je ne peux pas diviser par un nombre nul. Alors, je dois discuter les cas. Le premier cas, c'est si deux sont nuls. Alors, ils sont nuls dans le cas suivant. Si A est égal à B est égal à 1, c'est fini. Alors, j'ai la conclusion. A est égal à B. Sinon, si A différent de 1 ou B différent de 1. Alors, vous aurez toujours A au carré différent de A ou B au carré différent de P. C'est-à-dire A au carré moins A différent de 0 ou bien P au carré moins P différent de 0. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Si je fais la somme, comme j'ai racine de A carré moins A sont positifs et racine carrée de P au carré moins P positif, et ils sont l'un au moins du 2, ils n'ont nul, je peux affirmer que A carré moins A plus racine carrée de P au carré moins P, pardon, est différent de 0. Car sinon, on aura racine de A carré moins A égale à racine carrée de P au carré moins P égale 0, car ils sont toujours positifs, ce qui implique que A est égal à P est égal à 1, ce qui est faux. Donc là, j'ai le droit de multiplier par le conjugué. Alors le but, c'est transformer cette écriture. Donc je peux diviser par racine A carré moins A plus racine carré de P carré moins P, et j'obtiens ici par l'identité remarquable A au carré moins A moins P au carré moins P, que je peux écrire, c'est A au carré moins P au carré moins A moins P, tout divisé par A au carré moins A moins plus, pardon, racine carré de P au carré moins P. Et donc je peux factoriser par A moins P et j'obtiens A plus P moins 1, le tout divisé par A carré moins A plus racine carré de P au carré moins P. Alors je reviens à mon expression. Alors ça, appelons ceci 1. Alors dans 1,
devient A moins P plus A moins P facteur de A plus P moins 1 sur racine carrée de A carré moins 1, racine carrée de P carré moins P égale à 0. Et je vais factoriser par A moins P. Alors, A moins P facteur de 1 plus A plus P moins 1 sur racine carrée de A carré moins A plus racine carrée de P carré moins P égale à 0. Alors, je vais prouver que ce terminus n'annule pas, car on a A supérieur à 1 et P supérieur à 1, alors A plus P supérieur ou égal à 2, c'est ce qui va vous donner A plus P moins 1 supérieur à 1, qui est strictement positif. Et donc, divisé par un nombre qui est strictement positif, ça donne un nombre strictement positif. Alors, ajoutons 1. Donc, strictement supérieur à 0. Donc, 1 plus P moins 1 divisé par A carré moins A plus racine carrée de A carré moins A différent de 0. Pardon, P au carré moins P différent de 0. Et donc, je conclus que A moins P égale à 0. Et alors, A est égal à P. Et donc, F est injectif. Alors, la deuxième question, montrer que F est bijectif. Donc, puisqu'on a déjà montré qu'il est injectif, il suffit de montrer qu'il est surjectif. Montrons que F est surjectif. Alors, soit on va prendre Y appartient à 1 plus l'infini. Alors, montrons que l'équation f de x égale à y admet au moins une solution. Une solution dans l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà, ça c'est surjectif. Alors si on part de, soit supposons que nous avons f de x égale à y avec x un élément dans 1 plus l'infini. Alors j'ai x plus racine carrée de x carré moins x est égal à y, ce qui va vous donner x carré moins x est égal à y moins x. Donc élevé au carré, ça donne x au carré moins x, y moins x, le tout au carré, qui va vous donner y au carré moins 2xy plus x au carré. Donc je vais simplifier par x au carré. Je vais transporter ce terme qui contient l'inconnu x, ici, à gauche, est égal, moins x, est égal à y au carré. Alors, factorisons par x, facteur de 2y moins 1, est égal à y au carré. Alors, pour tirer x, il faut diviser par ce réel. Mais est-ce que ce réel est non nul? On doit vérifier. Alors, on a y supérieur ou égal à 1, strictement supérieur à 1/2. Alors, je peux affirmer 2y moins 1 est strictement positif et alors 2y moins 1 différent de 0. Donc, j'ai le droit de tirer x. Mais attention, ce n'est pas encore terminé car j'ai raisonné seulement par implication. Car là, les calculs sont très compliqués, c'est difficile de justifier
les équivalences entre ces propositions. Et c'est pour cela que j'ai seulement utilisé un raisonnement par implication. C'est pour cela que j'ai supposé que f de x est une solution. Donc ben, il faut vérifier. Il faut vérifier la réciproque. La réciproque, c'est quoi? Il faut vérifier que cette solution c'est une vraie solution de l'équation. C'est-à-dire, alors je vais d'abord vérifier qu'il appartient à 1 plus l'infini. Alors vérifions d'abord, vérifions que y au carré sur 2y moins 1 appartient à 1 plus l'infini. Alors, je vais comparer ceci avec 1, c'est-à-dire je vais faire la différence, je vais montrer qu'elle est positive. Alors ça donne y moins 2y plus 1, le tout sur 2y moins 1 qui est égal à y moins 1, le tout au carré sur 2y moins 1 qui est clairement positif. Et donc cette étape est vérifiée. Donc, eh bien, un élément de 1 plus l'infini. Maintenant, vérifions. Vérifions que f de y au carré sur 2y moins 1 est égal à y. Voilà donc f de y au carré sur 2y moins 1 égale. Alors l'image de cet élément, c'est y au carré sur 2y moins 1 plus racine carrée de y sur 2y moins 1 au carré, le tout au carré, moins y au carré sur 2y moins 1. Alors ceci va vous donner, c'est y au carré sur 2y moins 1 plus, là j'ai y puissance 4 sur 2y moins 1, le tout au carré, moins y au carré sur 2y moins 1, qui va vous donner y au carré moins sur 2y moins 1. Donc, réduire au minimisateur 2y moins 1 au carré, y à la puissance 4 moins y au carré facteur de 2y moins 1, qui est égal à y au carré sur 2y moins 1 plus racine carrée. Là, je vais factoriser pas y au carré, facteur de y au carré, moins 2y plus 1, le tout sur 2y moins 1, le tout au carré, qui est égal à y au carré sur 2y moins 1, plus racine carrée de y au carré, facteur de y moins 1 au carré sur 2y moins 1, le tout au carré. Alors, comme j'ai des carrés, je peux simplifier. Ceci va vous donner plus valeur absolue du y, valeur absolue de y moins 1 sur valeur absolue de 2y moins 1. Alors, toutes ces quantités qui sont à l'intérieur de la valeur absolue sont positives. Donc, c'est y au carré. Je peux remplacer ceci par y, y moins 1 sur 2y moins 1 qui est égal à y au carré sur 2y moins 1 plus y facteur de y moins 1. Alors en factorisant par y, alors ceci va vous donner y plus y moins 1 sur 2y moins 1 qui est égal à y facteur de 2y moins 1 sur 2y moins 1. On simplifie et voilà, ça donne y. Et donc, l'équation f de x est égal à y admet une solution dans l'intervalle 1 plus l'infini, c'est le réel. Y au carré sur 2y moins 1. Donc on a fait l'étude directe et l'étude réciproque parce qu'on n'a pas raisonné par équivalence.
Voilà, donc F est surjonctive. Donc F est surjonctive. Alors on a F est adjective et surjonctive. Donc F est bijectif. Remarque, là, comme nous avons trouvé une seule solution, on peut conclure directement qu'il est bijectif, car sans utiliser qu'il est injectif. D'accord? On a montré que l'équation admet une unique solution. Donc, je peux conclure déjà, à partir de cette étape, qu'il est bijectif. Alors, pour f-1, j'ai déjà pour. D'après l'étude précédente, pour tout x dont 1 plus l'infini et y dont 1 plus l'infini, j'ai montré que f de x est égal à y équivaut à x est égal à y au carré sur 2y moins 1. Et donc l'expression d'iel f moins 1 de y, c'est y au carré sur 2y moins 1. Donc f moins 1, il est défini de 1 plus l'infini vers 1 plus l'infini. Et l'image de y, c'est y au carré sur 2y moins 1.